Alors, avant que je commence, ça n'a rien à voir directement, mais je conseille certains d'entre vous, à certains d'entre vous, si vous voulez aller sur le site en France du Collège de France, qui est un des lieux les plus prestigieux de l'enseignement à Paris, et en particulier sur une conférence qui a été faite par François Recanati. Les lecteurs de Lacan le connaissent parce qu'il est intervenu dans un séminaire de Lacan. Mais François Recanati est aujourd'hui professeur au Collège de France en philosophie analytique du langage. Et en 2018, il a fait une conférence que vous trouvez sur le site donc du Collège de France. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que vous avez une hypothèse qui est développée et qui est la suivante. Donc vous le trouverez. Et le colloque s'appelait, enfin lui il a intitulé Penser, ER, Penser avec le langage, et il développe la thèse suivante, qu'il existe une pensée sans langage. Et il fait même l'hypothèse d'un langage de la pensée déconnecté de sa forme linguistique. Alors, Recanati, c'est pas n'importe qui, et pas n'importe qui est professeur au Collège de France, évidemment. Donc, c'est une conférence assez courte, elle fait à peu près 35 minutes. Et vous verrez, ça nous laisse complètement étonnés d'imaginer une pensée sans langage. Mais que la pensée elle-même puisse avoir son langage qui ne passe pas par les formes linguistiques, comme ils disent. C'est-à-dire l'idée d'une mathématisation de la pensée qui ne passerait pas par tout ce fatras que transporte la parole. Autrement dit, il ne fait pas du tout l'hypothèse que la parole puisse exprimer la pensée, parce que la pensée n'a pas besoin de la parole, que les deux sont indépendants. Et vous verrez les philosophes cités, les références citées, etc. Je trouve que c'est vraiment passionnant, parce que si vous voulez avoir sans conséquence clinique, parce que ce n'est pas son objet, c'est un philosophe, une théorisation qui donc annule la possibilité même de la psychanalyse comme discipline, comme savoir, comme clinique, vous avez là des outils théoriques. C'est un monsieur très calme, très posé, pour à peu près 60-65 ans, et vous verrez tout ça élaboré et récusant, sans jamais y faire référence, la possibilité même de la psychanalyse. Et je vous conseille d'aller voir sur le site du Collège de France toujours. C'est très bien fait, le Collège de France. Tous les cours quasiment de tous les enseignants sont présents. C'est très bien filmé. On voit les schémas qu'ils font. C'est pas simplement filmé par quelqu'un dans la salle. C'est que ça apparaît sur l'écran de façon extrêmement précise, comme si vous y étiez, avec un excellent son. Et vous avez les cours au Collège de France. Il a été nommé, si ma mémoire est bonne, en 2005. C'est un certain Stéphane Dehaene, Dehaene, qui est il a la chaire de psychologie cognitive expérimentale. Et ce gars-là, qui est normalien, mathématicien au départ, ensuite a fait des sciences cognitives, de la psychologie cognitive expérimentale, et dirige des laboratoires importants où on étudie le fonctionnement cognitif, donc du cerveau. Et vous verrez un cours qu'il a donné. Alors je vais vous donner le titre du cours que j'ai lu particulièrement. Et c'est toujours pareil. C'est l'idée qu'au fond, il y a des pensées sans langage.
C'est ça la grande idée qu'il développe. Et il ne cesse de démontrer tout cela et d'en tirer des conséquences pour la clinique. Donc vous arrivez à votre hypothèse freudienne, lacanienne, tout ce que j'ai pu dire en reprenant ce séminaire sur la lettre, la raison depuis Freud, et là vous avez des enseignements qui font référence à des auteurs, à des théoriciens, à des philosophes, etc. Lacan bien sûr n'est jamais cité, mais ce qu'ils disent annule la possibilité même de la psychanalyse. C'est pas une attaque de la psychanalyse, c'est la possibilité même de la psychanalyse, dire l'hypothèse sur laquelle se base la psychanalyse, aussi bien chez Freud que chez Lacan, est révoquée. Donc l'idée d'une pensée sans langage, qui, si vous l'avez vu, on l'a travaillé ensemble, si cette thèse est dite, elle paraît absurde selon Lacan, évidemment, puisque vous avez au début le sens de l'être. Notre titre fait entendre qu'au-delà de cette parole, c'est toute la structure du langage que l'expérience psychanalytique découvre dans l'inconscient. Eh bien, cette thèse, elle est récusée par les théorisations même que Recanati présente ou que Dehaene présente. La différence entre Recanati et Dehaene, c'est que Recanati est un philosophe, Dehaene fait de la psychologie cognitive, expérimentale, et démontre avec des coupes du cerveau et autres, et les neurones, comment tout cela fonctionne. Vous avez quelque chose de formidable, c'est qu'à un moment donné, je ne sais pas si c'est un lapsus, il parle des singes, qu'on appelle les macaques, et il dit à propos des macaques, auxquels des expérimentateurs font passer des expériences où ils doivent appuyer sur des boutons, etc. Il dit cette phrase inouïe, dans le texte, vous le retrouverez, il dit « les macaques », suit une phrase, point, et il rajoute « ils disent », sous-entendu que le sujet « il », ce sont les macaques. Donc vous voyez, il en est même à dire « les macaques disent ». Évidemment, les macaques ne disent pas, puisqu'ils vous expliquent qu'ils n'ont pas l'outil du langage linguistique. Bon, mais ça fait rien. Il développe l'idée, je vous la donne parce que c'est formidable, c'est que le cortex préfrontal, quand vous l'étudiez avec attention comme ils le font, vous apercevez que vous pouvez apprendre des catégories logiques sans avoir la possibilité même du langage. Voilà, et c'est donc, vous avez des affirmations, la formation des catégories logiques, des catégories de classement, cette formation ne dépend pas du langage, mais il y a un enregistrement neuronal. Donc voilà, j'ai écouté comme ça pendant des heures comment il pouvait être développé une pensée sans langage. Il y a les cours sur 15 ans, les dernières années, c'est une très jolie vidéo, il fait généralement 6 à 7 cours par an, d'une heure et demie, et vous avez ces thèses dépliées avec des présentations, etc. Et après, vous avez des choses incroyables, sur les macaques, et vous avez l'homo sapiens. Voilà, par exemple, il y a la démonstration que les animaux, y compris certaines fourmis, dans le désert, hautes sur pattes, avec des sortes d'échasses, vous avez les photos et tout. Il dit, les animaux ont un sens proto-mathématique, car il y a des cellules qui cartographient l'espace, produisent des plans, ce sont les fourmis du désert qui ont donc le concept d'espace. De même, il existe chez ces fourmis, tout ça est démontré avec des diagrammes. Je prends ça très au sérieux, je ne me moque pas de ce savoir. Qu'il y aurait chez les fourmis un sens des nombres avant l'acquisition du langage, puisque évidemment les fourmis ne parlent pas et ne parleront pas.
Voilà, vous avez des exemples très amusants à propos des aphasiques, et où il explique que vous pouvez être aphasique et maintenir une théorie de l'esprit, que donc vous pouvez perdre, c'est comme ça qu'il pense, vous pouvez perdre les mots du langage et que la pensée est maintenue. Il faudrait le prouver, tout simplement. Enfin, si vous voulez, ces conférences que je lis et que j'étudie parce que il va bien falloir qu'on mène un combat contre ceux qui mènent un combat contre la psychanalyse et qui pensent l'enfant, par exemple, exclusivement en termes neurodéveloppementaux. Je trouve que c'est très intéressant d'aller voir des esprits cultivés, presque des esprits supérieurs, vous expliquer du haut d'une chaire du Collège de France ces doctrines. On a tout à fait intérêt à les lire et on peut même les écouter sans l'image. Donc, si vous êtes dans votre voiture, vous pouvez écouter ça en conduisant, etc. C'est vraiment très bien conçu. Et vous avez ces thèses qui sont développées. Et tout ça a des conséquences. Je vais faire le cours après. Parce que le 2N, par exemple, Stanislas 2N, il a été nommé par le ministre français de l'Éducation nationale qui s'appelle Blanquer. Il a été nommé au début de ses fonctions de ministre. Il a été nommé responsable de comment un ministère devait concevoir l'apprentissage. C'est-à-dire ce qui se passe dans les écoles maternelles, dans le primaire, etc., c'est pensé à partir des théories de ce 2N. Donc c'est l'idée que les histoires culturelles, les parents, le livre, tout ce fatras n'explique absolument pas les échecs scolaires. Les échecs scolaires doivent s'expliquer exclusivement en termes neuro. Et que donc, il s'agit de faire ce qu'on appelle ensuite dans la clinique, lui, il ne parle pas comme ça parce que c'est au Collège de France, il n'a jamais eu un patient de sa vie, ce n'est pas son objet, il y a de la remédiation neurologique, cognitive, etc. Voilà, je trouve que c'est très intéressant de voir comment ça se légitime en doctrine, ce qu'ensuite nous observons chez le psychiatre lambda, dans le service machin, chez le psychologue truc, ce qui est enseigné à l'université, etc. Et même si vous allez sur le site du département universitaire de psychiatrie à Marseille, que vous voyez les méthodes qui sont utilisées, puisque maintenant on le fait à l'américaine, chaque service universitaire a le nom de ses professeurs, puis ensuite les grades inférieurs. Il y a tous les articles publiés en anglais, évidemment, ça fait sérieux, plutôt qu'en français. Et puis vous avez les orientations de recherche et les méthodes utilisées. Et vous verrez sur Marseille que vous avez le retour en grâce de la sismographie, c'est-à-dire la convulsiothérapie qu'on appelait de mon temps les électrochocs. Vous avez l'innervation et la stimulation du nerf vague, VAGUE, etc., etc. Enfin, tout ça existe. Ça paraît un peu bizarre, mais tout ça existe. Et que ces universitaires-là, vous voyez que la légitimation de toutes leurs thèses, c'est l'hypothèse neuro, et que vous trouvez de façon assez remarquable, expliquée par ces professeurs du Collège de France. Plus d'autres qui écrivent en anglais, que je n'ai pas lu, évidemment, mais qui vous donnent une orientation. Donc, ce qu'on dit là ce soir, si vous le comparez à la moindre conférence de ces enseignants du Collège de France, c'est comme si je vous faisais un cours d'astrologie. C'est ça l'idée. C'est un cours d'astrologie. Je vous explique des choses sur les planètes, sur en fonction de votre date de naissance, votre heure, etc. Et je fais de l'astrologie. Pour eux, c'est à peu près la même valeur. Bon, je connais certains universitaires, je me suis retrouvé avec eux dans des débats. On n'a pas pu débattre, c'est très vite devenu extrêmement difficile. Sûrement, ils sont moins grands seigneurs que les collèges de
les enseignants du Collège de France avec lesquels je suppose je me serais mieux entendu, mais quand même j'ai bien vu que je relevais, nous relevions dans nos références de quelque chose qui n'a plus cours. Donc vous, je trouve que c'est passionnant quand on passe une année comme je le fais ou comme vous faites avec d'autres enseignements ou dans vos lectures ou dans votre clinique à parler du signifiant, des effets du signifiant, de l'inconscient structuré comme un langage. Et puis, c'est-à-dire que les pensées ne peuvent pas préexister au langage lui-même. Et puis, vous voyez des doctrines, des théories dont on ne doit absolument pas se moquer et qui vous développent des thèses qui les récusent sans même avoir à les citer. C'est pas des cours contre la psychanalyse. Dans si quelqu'un fait un cours contre la psychanalyse, vous pouvez être sûr que c'est un petit, c'est un sans-grade, c'est un casse-pied, il veut se faire mousser. Vous allez voir les grands patrons du Collège de France ou dans d'autres lieux d'enseignement, ils ne parlent absolument pas de la psychanalyse, de même que nous, on ne parle pas de l'astrologie. Et si je faisais un cours contre l'astrologie, on dirait, mais Castaner, qu'est-ce qui lui arrive? On n'en a rien à... Ça ne nous intéresse pas, l'astrologie. Eh bien, c'est pareil. Vous allez avoir des cours qui annulent même ce qui, pour nous, fit rupture épistémologique avec la révolution freudienne. Que pour nous, on considère, et Freud lui-même le considérait, comme une révolution à l'égal de la révolution produite par Darwin. Et c'est la façon dont... L'homme a pu se constituer en s'opposant aux créationnistes et l'arche de Noé, etc. Donc la théorie de l'évolution, et de même avec la révolution du fonctionnement des planètes, c'est-à-dire la révolution élaborée, produite par Copernic. Donc vous avez pour nous, on a Copernic, Darwin, Freud. Chaque fois, il y a un décentrement. Donc on avait ça, c'est comme ça qu'on pense, c'est comme ça, on vit avec ça. Bon, on vit avec ça, on travaille avec ça, depuis tant d'années. Et puis, si vous appuyez sur votre bouton d'ordinateur pour aller sur le site du Collège de France, vous allez suivre des cours d'archéologie, des cours sur le japonais, des cours sur la civilisation égyptienne par les meilleurs spécialistes, dans une dimension mondiale, etc. Et puis vous avez les cours de philosophie analytique du langage, ou le cours de psychologie cognitive expérimentale. Et là, vous vous apercevez que ce que vous considérez comme une thèse révolutionnaire, qui est la découverte de l'inconscient, au même titre épistémique que Copernic et Darwin, vous apercevez que pour d'autres, ils accepteraient la thèse de Copernic, ils accepteraient la thèse de Darwin, et ils n'ont même pas parlé de la thèse freudienne, parce que ce qu'ils disent la rend nulle et non avenue. Ça, c'est passionnant. Et c'est pas tout à fait éloigné de ce dont on parle, parce qu'on peut faire tous les cours du monde, le monde existe en dehors de nous, il y a un forum là, la semaine prochaine où on va parler de ça, je continue à écrire là-dessus, Milia m'a demandé vraiment de mettre sur pied une politique de combat, je ne sais pas si je vais y arriver, mais il faudra qu'on soit un certain nombre, mais c'est cette idée que, par rapport à certaines théories, par rapport à certaines doctrines, nous sommes hors jeu. Or, ces doctrines-là, aujourd'hui, orientent la psychiatrie, orientent la psychologie, orientent toute clinique qui relèverait de la parole, de l'écoute et du transfert. Vous voyez jusqu'où ça va. Bon, alors je vais en revenir à ce que j'avais prévu aujourd'hui de vous dire, et je me disais que je ne pouvais pas vous parler de ce que je vais vous dire aujourd'hui sans avoir en arrière-plan ce que je viens de vous dire et que j'étais en train de lire encore cet après-midi. Qu'il n'existe que le neurodéveloppemental. Et c'est pareil pour les macaques. Les macaques, évidemment, il y a un neurodéveloppement. Vous êtes une petite macaque, vous devenez une grande macaque, etc. Ou un macaque et un grand macaque, etc. Donc, si vous l'appliquez à tout ce qui relève de l'enfant de 0 à 7 ans,
Vous avez un arrêté qui a été publié au journal officiel par le ministère et qui dit ce que je vous dis, c'est-à-dire qui reprend les thèses de Dehaene, qui reprend les thèses de Recanati, même si celui qui a rédigé le document ne sait pas ses références, néanmoins il s'exprime à la manière d'eux. Ce qui avant aurait quand même été plutôt quasiment impossible à rédiger. Alors il dit, mais la découverte freudienne, quand même, le signifiant, les mots, etc. Mais pas du tout. Pas du tout. Donc voilà où j'en étais. Je m'étais proposé aujourd'hui de commenter de la page 521, je cite la grande édition. Là, je suis à mon cabinet, donc j'ai les deux éditions sous les yeux. De la page 521 à la ligne 16 qui commence par A, avec l'accent A s'obstiner, et je vais lire jusqu'à la page 525, jusqu'à la ligne 26, qui termine par Cracovie avec un point d'interrogation. Le fameux exemple qu'on trouve dans le mot d'esprit de Freud. Alors, l'idée en question, c'est qu'on, Lacan, vous le savez, dans cet article de 57, débat avec des psychanalystes de son temps, c'est-à-dire les années 1957, ce que ces psychanalystes-là appelaient la psychanalyse d'aujourd'hui. Et Lacan montre que la psychanalyse d'aujourd'hui, commençait à occuper le devant de la scène à Paris et dans le monde, ce n'est pas, selon lui, la psychanalyse qui tirerait des conséquences de la découverte freudienne. Au contraire, cette psychanalyse d'aujourd'hui, elle tend à ne pas lire Freud, à ignorer Freud. Et il isole un terme pour en rendre compte, c'est le terme de résistance. La résistance qui est concept analytique et qui est pensée en termes de permanence émotionnelle. Et vous voyez que c'est un terme qui pourrait tout à fait avoir sa place aujourd'hui dans les théories qui se promeuvent de la thèse neuro. Et Lacan remarque que si on définit la résistance comme une permanence émotionnelle, c'est-à-dire là où les mots n'auraient pas d'effet, pour qu'une modification puisse advenir, ça veut dire très précisément que cette permanence émotionnelle est étrangère au discours. Voilà ce qui s'enseigne, voilà ce qui se dit dans la psychanalyse d'aujourd'hui, que Lacan attaque. C'est-à-dire la psychanalyse aujourd'hui, c'est la psychanalyse de ses collègues de la SPP et de l'IP. Et Lacan amène cette précision, c'est que ces psychanalystes d'aujourd'hui rencontrent une impasse que leur livre. Freud lui-même, il dit, il rencontre une des vérités fondamentales dégagées par Freud, à savoir qu'à une vérité nouvelle, on ne peut se contenter de faire sa place. Car c'est de prendre notre place en elle qu'il s'agit. Alors ça, c'est une remarque qui a une valeur épistémologique forte. Et qui, je crois, nous permet d'être pour nous une boussole. Souvent, on aimerait garder, ça veut dire cela, on aimerait garder notre système conceptuel de référence, notre ensemble de thèses, d'hypothèses, etc., c'est-à-dire notre ensemble de vérités prouvées, et on intégrerait une vérité nouvelle. On l'absorberait. Un peu à la manière de la religion romaine qui intègre, vous le savez, des dieux nouveaux à chaque occasion. Et le fait que la religion romaine, je me rappelle, j'avais lu des livres de référence sur ce thème il y a longtemps,
a cette particularité que pour assurer la Pax Romana, elle intègre des dieux d'autres religions. Donc, en quelque sorte, elle dit, bah oui, vous avez votre dieu, on l'intègre à la religion romaine et pratiquez le culte que vous voulez. Et vous serez pris dans la grande religion romaine. Ça, ça a eu un effet de pacification qui va de pair avec le droit romain qui a permis de pacifier, de construire un empire. Cet empire, la Grèce, y est moins bien arrivée parce qu'elle avait plutôt le logos et la pensée, c'est-à-dire la philosophie, que le droit. Pas Rome. Rome a le droit et aussi, je crois, cette façon de pluraliser les dieux. Eh bien, ce que nous dit Lacan, c'est que si vous faites ça, vous loupez le propre de la découverte freudienne, car l'enjeu, c'est que nous trouvions notre place dans cette vérité nouvelle. C'est-à-dire nous tirions des conséquences de cette vérité nouvelle. C'est pour ça, notez-le au passage, qu'on peut reprocher à certains d'entre nous d'être mono-référencé. À l'université, on m'a souvent reproché d'être mono-référencé. Parce que je citais que Lacan et ses élèves, ou ses prédécesseurs, mais toujours par rapport à Lacan, pour la psychanalyse, et que pour d'autres disciplines, je citais souvent des références de Lacan lui-même. Donc, j'étais mono-référencé et on aurait souhaité qu'en quelque sorte la vérité nouvelle incarnée par Lacan soit intégrée dans l'ensemble des vérités existantes dans le champ. Donc, j'aurais parlé un jour de Lacan, le lendemain de Jung, ou ensuite d'autres théoriciens qui auraient pu, le cas échéant, n'avoir rien à voir avec la psychanalyse. Je ne savais pas faire ça, donc je ne l'ai jamais fait. L'université française peut vous embêter, mais son pouvoir ne peut pas aller jusqu'à dire ce que vous devriez dire. Vous avez une indépendance académique. Au-delà de ma petite personne, c'est pour vous faire entendre que certains veulent intégrer une vérité nouvelle à un ensemble de vérités existantes et que ça n'ait pas de conséquences sur les vérités existantes. Et là, ce que nous dit Lacan, c'est que cette vérité nouvelle, si vous y prenez place à l'intérieur du champ nouveau, épistémique, clinique qu'elle construit, alors vous attaquez, vous récusez un grand nombre de vérités existantes. Donc c'est une réflexion épistémologique. C'est le contraire de l'œcuménisme doctrinal. Et Lacan dit à propos de cette vérité nouvelle, j'adore ces expressions parce que d'une certaine façon, elles ont constitué ma vie. J'ai passé ma vie à ça, enfin ma vie intellectuelle. À savoir que cette vérité nouvelle, elle exige qu'on se dérange, on ne saurait y parvenir à s'y habituer seulement. Autrement dit, quand vous tirez des conséquences de la vérité nouvelle que vous avez rencontrée, vous logez en elle en quelque sorte, vous prenez votre place en elle, eh bien, vous ne pouvez plus y être comme avant que vous y veniez. Vous ne pouvez pas en quelque sorte garder votre « quant à soi ». J'en prendrai un bout, je ferai ceci, je ferai cela, etc. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce choix au départ de Jacques-Alain Miller. C'est pour ça que je l'avais, il y a 43 ans, rencontré
dialogué avec lui avant même qu'il exerce la psychanalyse, à savoir prendre tout Lacan et pas des bouts de Lacan, prendre tout Lacan. Et c'est ce qu'il proposait, c'est ce qu'il a mis en place, et nous sommes un certain nombre à avoir trouvé que ce choix était déterminant. Et vous voyez que, d'une certaine façon, Lacan le dit ainsi. Une vérité nouvelle, Freud, exige que. Une vérité nouvelle, Lacan exige que. Et c'est là où apparaît une phrase qui peut surprendre certains, même si vous la connaissez tous, ou quasiment tous, à savoir la phrase « On s'habitue au réel la vérité, on la refoule. » Alors la deuxième partie de la phrase vous est mieux connue. La vérité, on la refoule, c'est-à-dire on n'en veut rien savoir. La vérité, en l'occurrence, en 1957, c'est la vérité de la castration. La vérité du manque à être. La vérité que les dix déités, c'est-à-dire ce que je dis est toujours un dit déités, déité est toujours un dit de castration. Et vous avez le fameux texte, il y a là, chose freudienne, avec la prosopopée de la vérité, moi la vérité je parle, et évidemment ce qu'elle dit, je ne l'entends pas, je n'en veux rien savoir, donc je refoule la vérité. Ça pourrait ordonner, dans ces termes de 57, la séance, le patient dit que quand la vérité se manifeste, il la refoule, et dans l'analyse, tout en la refoulant, malgré tout, il continue à vouloir la dire, et un travail opère et le refoulement est controuvé. Donc cette phrase, vous pouvez l'entendre, vous êtes habitué, je suis habitué à la phrase, elle résonne avec les termes de ces années-là, où c'est la promotion de la vérité qui est à l'œuvre, la vérité du sujet, c'est sa castration en quelque sorte. Comme Miller du reste dans son cours Six lettres, lorsqu'il analyse l'objet regard, il dit la vérité de l'objet regard, la vérité de la vision, c'est l'objet regard, et la vérité de l'objet regard, c'est que c'est un objet qui choit, c'est-à-dire qui inclut le moins fi de la castration. Vous voyez, tout ça a sa cohérence. Par contre, ce qui est plus difficile, c'est on s'habitue au réel. Et c'est une phrase qui est un petit peu plus difficile parce que nous sommes en quelque sorte, entre guillemets, contaminés par la fin de l'enseignement de Lacan. C'est-à-dire le moment où il donne une définition du réel qui lui fera même dire qu'on s'oriente du réel, qu'on s'oriente dans la psychanalyse du réel, et nous avons même pris pour titre générique de toutes les sessions des sections cliniques francophones, on s'oriente à partir du réel. Une clinique orientée par le réel. Donc, vous ne comprendrez pas la formule « on s'habitue au réel » si vous la rapportez à des formulations postérieures, formulations des années 70, par exemple. Vous trouverez une contradiction, puisque le réel s'est précisément défini comme ce à quoi on ne s'habitue pas. Tu vois une expression que j'aime bien, avec le réel, on ne fait jamais ami-ami, on ne fait pas copain. Le réel, en quelque sorte, on ne s'habitue pas à lui, puisqu'il se présente sous la forme d'une rencontre qui fait tuquer. Et dans le séminaire de 64, sur les quatre concepts fondamentaux, le réel y est défini comme traumatisme. Eh bien, ça veut dire qu'en 57, la phrase « on s'habitue au réel », c'est que la définition du réel, là, doit être entendue comme la réalité extérieure, l'environnement dans lequel je suis, le monde que je me suis construit et que j'appelle ma réalité. À celui-là de monde, on s'habitue. On pourrait même dire que
que la névrose, c'est une façon de s'habituer à sa réalité. C'est la réalité extérieure, tout aussi bien la réalité psychique, c'est-à-dire là où le moi règne en maître et dit « voilà qui tu es ». Donc, si vous voulez entendre « on s'habitue au réel », il faut l'entendre dans « on s'habitue à la réalité telle qu'elle est ordonnée par l'instance du moi ». On s'y habitue jusqu'au moment où on s'y habitue plus, un symptôme fait irruption, une crise d'angoisse fait irruption, etc., etc. Et là, c'est la manifestation d'un réel avec sa vérité propre qui vient ébranler le cocon dans lequel je me suis habitué à moi-même. Et il y a même des moments, on repère ça dans la cure, où l'analysant ne veut pas lâcher, en quelque sorte, sa réalité psychique. Il y tient. Il ne veut pas la lâcher. Il veut que ça soit ainsi, même si par ailleurs, il clame « je n'en peux plus, c'est insupportable », etc. Comme on dit à la fois, dans la petite référence clinique que je fais, vous avez « on s'habitue à la réalité psychique construite à l'ombre du moi », et en même temps, la vérité qui pourrait venir à se manifester, on la refoule. Donc la phrase, si vous pourriez la construire comme ça, on s'habitue à la réalité psychique qui fait cocon et s'organise suivant les coordonnées du moi, le réel, on le refoule. La vérité, on la refoule. Bon. Donc ça me paraît très, très utile pour la circonstance. Et ensuite, vous avez un paragraphe qui insiste sur au fond, cette place de l'interprétation et de la place de l'analyse. Alors, il y a trois mots que Lacan emploie. Alors, c'est la page 521 de la version grand format. Il cite le savant, au sens du scientifique. Il cite le mage, celui qui annonce les nouvelles, etc. Et il y a un troisième terme que vous ne connaissez peut-être pas, qui est le MEGE, M-E, accent grave G-E. Alors je vous donne la définition, qui n'est utile que pour les Français, vous allez voir pourquoi. MEGE, c'est le nom donné dans quelques provinces et dans la Suisse au médicastre. C'est-à-dire un guérisseur. Alors je vous cite une phrase de Condorcet à propos de MEGE. On dit parfois MEGE, M-E-I-G-E. Alors vous le trouvez ça dans le Littré de 1880. Alors il y a une petite différence, c'est pas écrit tout à fait de la même façon. C'est que dans le Littré, vous avez un accent aigu et chez Lacan, un accent grave. Bon, peu importe. Alors, je vous cite une phrase de Condorcet. Il employa l'autorité qu'il avait dans ce conseil à faire une guerre assez vive à ces hommes, connus en Suisse sous le nom de MEGE, qui surprennent la confiance du peuple à qui ils paraissent d'autant plus habiles qu'ils se vantent de n'avoir rien appris. Et s'il les cite, c'est pour insister sur ceci, qui va distinguer le savant, le mage et le mège de l'analyste, à savoir que le savant, le mage ou le mège se positionne comme être le seul à savoir. Et vous avez vu que le mège a la particularité de posséder un savoir qu'il n'a jamais appris. En France, ça fonctionne aussi chez ce qu'on appelait à mon époque
les rebouteux, ceux qui imposent les mains, ceux qui arrêtent le feu, etc. J'avais un projet comme ça avec une amie d'aller dans une province un peu reculée, interroger des guérisseurs, des rebouteux, des mèges, etc., qui sont souvent des paysans, qui n'ont aucun vocabulaire technique, aucun savoir conceptuel, qui ne sont pas forcément allés à l'école, s'ils sont assez âgés, et où, en quelque sorte, ils sont les seuls à savoir, parce qu'un savoir qu'ils n'ont pas appris, ils les traverse. Et il dit, Lacan, il dit que ce qui est insupportable au savant, ce qui est insupportable au mage, et pensez aux trois mages de la crèche, ce qui est insupportable au mage, donc les trois réunis, ce qui leur est insupportable, c'est, comme dit Lacan, que les âmes simples, même malades, alors les âmes simples, c'est-à-dire vous et moi en quelque sorte, ou n'importe qui, voire même malades, c'est-à-dire les âmes simples hospitalisées, puissent en savoir autant qu'eux sur ce qu'il faut en penser. Et vous voyez que là, Lacan récuse en quelque sorte une utilisation du savoir par certains où ils seraient les seuls à savoir. Il y a celui qui sait et il y a celui qui ne sait pas. Et la découverte freudienne, au fond, c'est que l'âme la plus simple, entre guillemets, bien sûr, elle sait, et elle en sait autant que sur ce qu'il faut en penser. Et que la découverte analytique, c'est que le savoir, il est chez le patient. Et du reste, dans le texte de 1950 sur le rapport de Rome, Lacan aura cette phrase systématiquement citée, la psychanalyse a un seul médium, deux points, la parole du patient. Vous voyez que c'est une phrase qui est inapplicable au savant, vous pouvez inclure le médecin à l'intérieur, qui est impensable pour le mage et qui est impensable pour le mège. Que le savoir puisse être chez l'autre, c'est-à-dire relevé, cristallisé dans la parole du patient lui-même. Et Lacan nous dit que les savants, etc., utilisent même des termes adéquats pour dénier aux âmes simples, voire malades, en quelque sorte qu'ils en savent autant que eux les savants, eux les sachants, comme le mage et le mège. Et il dit, on parle à leur propos de pensées primitives. Vous en avez un exemple magnifique en France avec les théories de Lévi-Brull, prélogique, c'est le même, archaïque, voire magique. Et il y a toute une interrogation, effectivement, de l'ethnologie sur la pensée archaïque, sur la pensée magique. Je me rappelle, j'avais lu des travaux d'Ombre d'âne, si je me rappelle bien, qui montrait des films à des groupes ethniques, à l'époque on disait des primitifs, et effectivement, il était étonné que les gens dans la salle, là où ils projetaient le film, dans le groupe ethnique, ne se reconnaissent pas sur l'écran. Vous voyez là, le degré de racisme que pouvait porter cette interprétation. Il a fallu attendre notamment Claude Lévi-Strauss pour qu'il y ait une valorisation de la pensée qu'il appelle la pensée sauvage, et qu'il montre dans ce livre, La pensée sauvage, que cette pensée est aussi élaborée, aussi construite, aussi rigoureuse que n'importe quelle autre pensée. C'est une pensée pleine et entière et qui n'y a pas à la péjorer. Autrement dit, ceux qui savent imputent aux âmes simples des dénominations qui les figent. Pensée primitive, prélogique, archaïque, etc. Et Lacan dit, toujours à la page 521 de la grande édition, il dit, il s'agit alors pour la psychanalyse de lutter contre ces croquants qui nous tiennent hors d'haleine à nous proposer des énigmes
qui s'avère trop malicieuse. Et croquant était là le terme qui désigne en quelque sorte ces âmes simples qu'on méprise presque, je force le trait, mais je ne crois pas qu'il est tout à fait faux, et qui s'avère, eh bien, ces âmes simples aussi construire des énigmes et faire preuve d'une grande malice. Vous avez des belles remarques là-dessus de son rapport de Lacan aux données de l'ethnologie. Dans le séminaire 3, à propos du nom du père, lorsque il montre que dans certains groupes ethniques, on dit d'une femme qui est allée promener dans la forêt qu'elle a rencontré un esprit et qu'il l'a mise enceinte et qu'ensuite l'enfant qui naîtra 9 mois après sera un enfant de cet esprit. Et il nous dit, il faut quand même pas prendre les gens dont on parle pour des imbéciles. Ils ont bien compris que pour avoir un enfant au sens naturel du terme, il faut qu'un homme et une femme fassent l'amour et s'accouplent. Et ils savent bien qu'il y a la fonction du sperme. Là, comme on dit aux enfants, je ne sais même plus si ça se dit aux enfants, mais on disait aux petits-enfants avant, la graine de papa dans le ventre de maman. Il ne faut pas croire que ça serait inaccessible à la pensée de ces groupes ethniques, mais que justement, ils font la distinction entre le géniteur, c'est-à-dire qu'il faut faire l'amour, et d'une certaine façon, pour avoir des enfants, et puis le nom du père qui est attribué à un signifiant rencontré dans la forêt. Autrement dit, il nous explique que ces groupes ethniques sont aussi malins que les philosophes du langage ou les ethnologues structuralistes. Donc, ça me paraît toujours très important de voir ce moment bascule par rapport à la position du sachant, à savoir que c'est le patient qui sait, c'est celui qui parle qui sait, celui qui dit qui sait. Et s'il ne parle pas, ça n'exclut pas qu'il soit le patient pris dans un bain de langage et que donc, à ce titre-là, il fait partie de la communauté des êtres parlants, même s'il ne parle pas. Il n'y a de mutisme que par rapport au langage lui-même. De même que le silence ne se construit qu'à partir du cri et pas l'inverse. Contrairement à un cri se répandit dans le silence du désert, pas du tout. C'est parce qu'il y a un cri qu'ensuite, dans l'après-coup, le silence du désert advient et peut produire de drôles d'effets, y compris un effet d'angoisse subjective particulièrement vide si la phrase réduite au cri crié, articulé, hurlé, ne reçoit pas de réponse. Et Lacan nous rappelle, page 522, que l'interprétation de l'inconscient chez Freud, en quelque sorte, elle met en acte une encyclopédie. Il dit les allusions, les citations, les calembours et les équivoques. Je n'y reviendrai pas puisque tout le commentaire du texte précédent y mène, des séances précédentes y mènent. Et vous avez cette remarque qui est toujours formidable, c'est que l'inconscient freudien, n'est pas le primordial, n'est pas l'instinctuel, ni l'élémentaire. Autrement dit, ce n'est pas le prélogique, ce n'est pas le antélogique, et ce n'est pas non plus de l'affect tel quel, indistinct, instinctuel, indistinct. Et la thèse, vous la connaissez par cœur évidemment, mais Lacan la répète, il reconnaît l'inconscient que les éléments du signifiant et qui peuvent être pris dans des formes qui font diagramme, qui font réseau. En quelque sorte, l'inconscient est structuraliste à ce moment de son enseignement. Et le structuralisme, donc, est un outil particulier avec les rapports. Un signifiant ne signifie rien en tant que tel, il est pure différence, eh bien, ça permet d'interpréter l'inconscient. Vous voyez que cette thèse, que j'énonce
sous le terme de Lacan, sous le terme de Freud, que je vous pose comme vraiment le fondement de la clinique qui est la nôtre, eh bien, elle est récusée par ce que je vous ai dit au début, à partir des thèses d'une pensée. Ça signifie. Attendez, attendez, faites attention. Il y a un micro ouvert. Un micro ouvert qui fonctionne. Prenez. Un micro ouvert. Cocard, vous avez un micro ouvert. Donc, voilà, c'est bien. Bon. Et donc, alors je vais peut-être le faire, ça je crois que je peux le faire. Je vais arriver. Fermer son micro. Voilà. Je peux mettre sur muet. Que ça marche. Voilà, je n'arrive pas à le faire. Bon. Peu importe. Je vais faire des bêtises après si j'en fais plus. Donc, voilà où on en était. Et vous voyez qu'on parle d'une thèse qui est récusée dans d'autres lieux et non des moindres. Et vous avez ensuite un développement, je ne vais pas particulièrement y insister parce qu'on l'a déjà dit 10 fois, que les diagrammes qui ordonne les signifiants, s'ordonne suivant 2 procédés, la connexion, à savoir la métonymie, la substitution, c'est à savoir la métaphore, et que c'est pas pour rien que le signifiant se retrouve chez Freud sous la forme de Übertragung, à savoir le transfert, et là vous avez l'exemple que j'avais traité volontairement la fois précédente à propos de l'objet fétiche. Le fétiche, vous le savez, n'est pas insignifiant, même s'il procède d'un transfert signifiant entre 2 langues, l'anglais et l'allemand, puisque c'était le fameux brillant sur le nez. Et ce qu'il dit, très beau, chez Lacan, page 522, qu'il y a une pensée qui se fait entendre dans cet abîme du transfert d'un signifiant à un autre. Alors, vous voyez comment cette thèse récusée, parce que je vous ai dit précédemment de ces philosophes du langage, puisqu'évidemment, il peut y avoir une pensée qui ne soit pas ordonnée par le langage, qui n'ait donc aucun rapport avec se faire entendre. Bien sûr que les neurones veuillent se faire entendre de qui que ce soit, car l'hypothèse du neurone ne présuppose pas un autre auquel le neurone s'adresserait. En quelque sorte, le neurone est un neurone. Et il y a une remarque qui est, je trouve toujours juste de rappeler, c'est à la page 522, contrairement à ce qu'on entend parfois ici ou là, c'est l'idée que la résistance dans la cure, mais aussi la résistance à la psychanalyse, ne tient pas à l'introduction de la sexualité. Et qu'au contraire, la sexualité chez Freud, c'est pas une sexualité débridée, puisque c'est une instance morale, le berceau et le lieu d'attente de l'oblativité et de l'aimance. Enfin, ça a été pensé ainsi par toute une interprétation de la psychanalyse d'aujourd'hui. Eh bien, ce que Lacan nous dit, c'est que ce qui est insupportable dans la sexualité, ce ne sont pas les parties de jambes en l'air, ce n'est pas la crudité des relations sexuelles, des inventions sexuelles, des jeux sexuels, comme on aurait pu le croire, ciel, cachez ce sein que je ne saurais voir, comme on dit chez Molière, mais qu'au fond, le scandale, je cite page 523, le scandale intolérable au temps de la sexualité freudienne, qui n'était pas encore sainte, c'était qu'elle fut si intellectuelle. Et c'est ce que vous avez explicitement exprimé chez Freud dans ce qu'il appelle les théories sexuelles infantiles.
Quand on lit Freud, ce qui importe, ce qui compte, ce qui est déterminant, ce sont les fictions construites inauguralement par les petits hommes pour rendre compte de ce quelque chose qui remue les corps, et qui remue les corps des adultes et des parents notamment, mais qui remue aussi le corps de l'enfant. Et que pour en rendre compte, il crée des fictions, c'est-à-dire des théories sexuelles infantiles. Je crois que si on veut vraiment saisir la force de la remarque de Lacan, c'est d'aller voir là où cette force est inaugurellement exprimée. Il existe un texte de Freud qui s'appelle « Les théories sexuelles infantiles », c'est-à-dire qui répond à la question notamment de d'où viennent les enfants, et vous verrez quelques-unes des fictions qui sont produites. Donc la sexualité freudienne, elle est inséparablement liée avec sa version théorie sexuelle. C'est pour ça que le livre est traduit en français par 3 essais sur la théorie sexuelle. La sexualité est intellectuelle, c'est le mot de Lacan, au sens d'elle est tissée par des signifiants et par des fictions qui en rendent compte. Mais on n'en sort jamais de ces fictions. Chacun de nous, au cœur de notre cure, et même pas qu'au cœur de notre cure, même après, en quelque sorte, qu'elle ait été menée à son point de finitude, nous avons des théories sexuelles, limitées, fracturées, analysées, jusqu'à l'os de l'objet, certes, mais sans cela, nous ne serions pas des sujets parlants et nous ne pourrions pas même faire l'amour ou tenter de le faire. Et au fond, ce qui nous dit, c'est que cette théorie intellectuelle de la sexualité est bien plus radicale que s'il y avait simplement l'introduction d'une sexualité brute dans l'affaire. Et qu'au fond, cette position, elle ruine la société, elle est même complice des terroristes. Le mot est employé à la page 523. Et pour vous dire que qualifier cette sexualité d'intellectuel n'est pas l'amoindrir dans sa force, mais c'est au contraire lui donner sa force la plus extrême. La sexualité, c'est aussi une affaire de signifiant. Bien sûr, les corps y sont appelés. Le plaisir y est impliqué, le désir y est impliqué, la jouissance y est engagée, enfin, tout dépend les mots du moment de l'enseignement de Lacan, mais il faut pour cela cette fiction que vous pouvez écrire alors là avec un X, F-E-I-X-I-O-N, le X indiquant ce quelque chose qui vient fixer une jouissance au sens de la trace. Bon, ça c'est un rajout, vous ne l'avez pas dans le texte. Il y a une très jolie phrase que je vous ai envoyée par courrier. C'est que je vous ai cité la question que pose Lacan. À quoi reconnaît-on les mauvais psychanalystes? Alors ça me plaît beaucoup parce que on aime reconnaître les mauvais psychanalystes. C'est un peu plus compliqué qu'on pourrait croire de reconnaître les mauvais psychanalystes parce qu'on pourrait croire qu'ensuite on peut reconnaître les bons. C'est pas sûr. Disons que si on arrivait déjà à reconnaître les mauvais psychanalystes, ça serait pas inutile. Et chaque année, pas le seul dans cette situation, je reçois à peu près une quinzaine ou vingtaine de personnes qui m'expliquent, venant me voir, qui sont analystes, qui voudraient faire ceci, qui voudraient faire cela, etc. Souvent, il y en a, ils ont des parcours dont je ne sais rien, ils me les expliquent, je ne sais même pas les personnes dont ils me parlent. Et donc, je me demande toujours en quoi vais-je pouvoir reconnaître s'ils sont mauvais et que donc il me restera à les éconduire, poliment, souvent en leur disant rien, en leur disant au revoir. Donc la phrase qui suit peut avoir un intérêt, c'est, eh bien, vous l'avez la réponse. On reconnaît un mauvais psychanalyste ou des mauvais psychanalystes parce qu'ils utilisent, dit Lacan, pour déprécier toute recherche authentique de l'expérience freudienne, le mot d'intellectualisation.
Donc, quand je reçois quelqu'un qui me dit je sens ça comme être humain, enfin, si c'est un quelqu'un qui fait une analyse, je vais pas lui demander de parler autrement. Je vais prendre ça très au sérieux, évidemment. Mais je vous parle de ceux qui viennent me voir parce que je suis psychanalyste, donc je voudrais rentrer dans telle chose, tel séminaire, faire un cartel, enfin, quoi que ce soit. Eh bien, ce que j'entends dans leur pratique, je sens les choses, et en quelque sorte, je récuse l'intellectualisation, eh bien, je me fais une petite idée qu'il vaut mieux leur dire « bon, très bien », et on s'en va, même s'ils sont restés là depuis 5 minutes. Ça suffit, on a compris que c'était les tripes à la place de l'intellectuel et qu'ils pensaient que là, ils étaient au cœur de l'action. Et là, il y a une très jolie phrase qui est à propos de ceux qui utilisent cette expression pour la décrier d'intellectualisation. Il dit « vivant eux-mêmes dans la crainte de s'éprouver à boire le vin de la vérité, ils crachent sur le pain des hommes. » Et ensuite, j'avais une référence à leur bave. Donc la phrase est belle et on peut la garder en mémoire pour voir comment il faut traiter ceux qui récuse l'intellectualisation au profit du vécu, du concret, du « c'est ça, je l'ai éprouvé, je le sens, les tripes » et le reste. Alors on en arrive maintenant à la partie 3, qui se trouve page 523, et qui s'appelle la lettre, L-E de T-R-E, virgule lettre, L apostrophe E, accent circonflexe T-R-E, et l'autre, qui est écrit, peut-être ça l'étonnera certains, petit a, et l'autre petit a. Alors il commence, et c'est là pourquoi il avait introduit l'autre avec un petit a, il dit, est-ce que ceux qui pensent ainsi à ma place, c'est-à-dire l'inconscient, est donc un autre moi? Et il met même en note qu'un de ses collègues, dans ces années-là, lui avait posé la question, est-ce que le ça est un mauvais moi? Et vous voyez qu'à ce moment-là, c'est toujours cette tentative représentée par notamment le trio new-yorkais Loewenstein, Chris et Hartmann étant le théoricien et l'homme d'appareil, développer justement une psychanalyse adaptative où le moi trouvait toute son importance et où d'une certaine façon l'inconscient devait devenir un autre moi libéré des entraves du premier. Le premier moi ne s'adapte pas, le second, autrement dit le moi analysé, doit avoir une capacité adaptative. Alors c'est intéressant parce que quand vous lisez l'arrêté dont on parle actuellement et qui indique les orientations que les psychologues doivent prendre dans leurs expertises des enfants de 0 à 7 ans, vous vous apercevez qu'il y a une référence pour qualifier les enfants à l'adaptation au monde et même à l'adaptation à la relation aux autres petits tas et au langage. Donc c'est en termes d'adaptation. Est-ce qu'ils sont adaptés au monde? Est-ce que leur moi, en quelque sorte, est adapté au monde? Et vous voyez qu'une certaine psychanalyse, qui n'allait pas jusqu'à ces extrêmes, évidemment, pouvait penser l'inconscient comme un autre moi. Et là, vous avez la fameuse phrase, que je prononce mal, « Wo es war, soll ich werden », c'est-à-dire « là où fut ça, il me faut advenir ». Et Lacan nous dit qu'il faut faire très attention à cette phrase, car on pourrait penser qu'elle implique « il me faut advenir ». C'est le « ich » qui est à la fois le « moi » et le « je ».« Il me faut advenir là où fut es », le « ça ». Et Lacan nous dit le risque, je n'emploie pas le terme, mais je l'utilise pour faire entendre, me semble-t-il, le vif de sa remarque. Si vous prenez la phrase allemande et que vous la traduisez comme il vient de la traduire, le risque,
c'est qu'à la fin, on a une réconciliation, c'est son mot, une réintégration, c'est son mot, un accord. Et que ça, ça va contre la découverte analytique où il parle, lui, Lacan, en référence à Freud, d'une excentricité radicale de soi à lui-même. Alors que là, si je répète la phrase « là où fut ça, il me faut advenir », vous avez en quelque sorte une opération réussie, un accord. Le « ça » a laissé sa place au « moi ». Et ce sur quoi insiste Lacan, évidemment, c'est que cette interprétation est une méconnaissance de l'excentricité de l'inconscient, qui ne peut pas être réductible au moi. Et il dit même que cette méconnaissance, elle trahit une répudiation de l'esprit de Freud. Et il ajoute même de la lettre, L-E-T-R-E, de son œuvre. Et que souvent, une psychanalyse qui parle en termes de compromis est une psychanalyse d'aujourd'hui, dans 1957, qui participe de ce recouvrement, de cette méconnaissance de l'excentricité fondamentale de l'inconscient par rapport au moi. Je cite, tel est le compromis, le recours au compromis, qu'il soit explicite ou implicite, désoriente toute action psychanalytique et la plonge dans la nuit. Parce que j'ai toujours beaucoup aimé chez Lacan, c'est qu'il n'est pas dans le compromis, justement. Il n'est pas dans la demi-mesure. Il n'est pas en train de dire oui, ça. Ça désoriente un peu l'action analytique et ça la plongerait dans une certaine nuit, comme s'il fallait malgré tout sauver quelques égarés. Venez à moi, les égarés. Et conservez votre égarement, bien entendu. Pas du tout. Les termes sont radicaux, désorientent toute l'action analytique et la plonge, sous-entendu, toute dans la nuit. C'est le contraire des lumières de l'Aufklärung, de la découverte. La découverte, c'est celle de cette béance dans l'homme, de l'hétéronomie radicale, comme il dit, et que la recouvrir est une malhonnêteté foncière. Moi, j'aime beaucoup ces phrases radicales parce qu'en quelque sorte, elles peuvent nous rendre intraitables. Bien sûr, il faut être ouvert, il faut être généreux. Il faut accueillir, évidemment, personne n'en doute. Cela est parfaitement à vérifier pour les patients. Mais ce n'est pas sûr qu'avec les collègues, enfin, des autres milieux, des cliniciens, etc., les collègues de bureau, etc., on est à être aussi doux. Je crois qu'il faut parfois, sans en jouir pour autant et être le dénonciateur des calamités chez l'autre, évidemment, ça c'est toujours le risque, mais je crois qu'il y a la nécessité de dégager la malhonnêteté foncière de certaines affirmations. Moi je crois que la psychanalyse est quand même une discipline de combat, d'attaque, et qu'il faut savoir y être intraitable. Il ne faut pas aimer l'intraitable au point de s'identifier à être l'intraitable de l'autre, évidemment. Il s'agit en quelque sorte de faire un tour sur soi-même pour ne pas en jouir, mais ça n'exclut pas de dégager les malhonnêtetés foncières de certains cliniciens, de certains théoriciens, de certains textes. Enfin, ça n'engage que moi, et après tout, ça n'intéresse personne, mais je trouve que parfois, on est un peu mou. C'est un combat.
Et Lacan reprend des phrases que vous connaissez, donc je ne vais pas les commenter, justement les citer pour la beauté des formules. Quel est cet autre petit A qui m'agite? Il est en position de médiation par rapport à mon propre dédoublement d'avec moi-même comme d'avec mon semblable. Enfin, pour illustrer ça, il faut que vous ayez en mémoire évidemment le premier séminaire de Lacan et le deuxième où il construit le schéma Z où par rapport à l'axe A', c'est-à-dire la barre oblique, il y a une position de médiation et d'ailleurs qui est le grand S et le grand A. Donc ce décentrement, vraiment, Lacan a essayé de le construire et d'en donner un diagramme. Et c'est là où il change de lettre, au sens de la typographie, puisque c'est là où il va dire l'inconscient et le discours de l'autre grand A, et au-delà, le désir de reconnaissance et reconnaissance du désir, c'est-à-dire une dialectique par rapport à l'autre. Je dis un peu vite, parce que, au fond, ça ne fait que reprendre ce qu'il a déjà dit, et vous voyez que dans ce texte, il y a un Lacan pédagogue, au fond, un Lacan qui répète, un Lacan qui dit plusieurs fois les mêmes choses, qui commence par introduire petit a, l'autre, pas l'objet, l'autre, le semblable, pour le faire accéder ensuite à la dignité de l'autre grand A par ce procès de décentrement, par ce procès d'excentricité par rapport au moi, etc. Et il y a un exemple qui a son intérêt. Autrement dit, cet autre petit a, oui, l'aspect didactique. On voit que là, il a dû écrire ses phrases pour les étudiants de lettres qui assistent à la Sorbonne, à son intervention. Ou alors il a dit ça parce qu'il ne parlait plus simplement qu'à ses élèves, où il leur avait déjà démontré tout ça, dans le séminaire 1, dans le séminaire 2, dans le séminaire 3. C'était fait, c'était fini. Et au fond, enfin, séminaire 3, c'est l'époque de celui-là aussi. Vous avez cette phrase, autrement dit, cet autre petit a, là il parle à ceux qui ne savent pas encore Lacan, au fond. Autrement dit, cet autre petit a et l'autre grand a, qu'invoque même mon mensonge pour garant de la vérité dans laquelle il subsiste. Il a déjà démontré précédemment. C'est ça que je dis, c'est un Lacan qui répète, et donc il doit changer de public. Il n'aurait pas écrit ce texte pour ses élèves si ça n'avait été que ses élèves qui écoutaient. Alors il aurait rappelé en une phrase qu'il avait déjà démontrée. Or, dans toute cette conférence à la Sorbonne, même si ensuite il en a fait un texte écrit, mais il gardera toujours un aspect texte dit, texte écrit, il le dit dans la première page, au fond, c'est parce qu'il s'adresse à un public plus élargi que celui qui était le sien, me semble-t-il. Moi, je ne comprendrais pas pourquoi il répète cette phrase. Et pourquoi il dit « cet autre petit a et l'autre grand a ». C'est déjà démontré, c'est déjà acquis. Tous ses élèves le savent. Quant à l'exemple du mensonge, c'est qu'évidemment, le mensonge présuppose le garant de la vérité qui elle-même présuppose le langage lui-même. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de mensonge hors le langage. Et vous savez que c'est une thèse qu'on trouve déjà chez saint Paul dans son épître aux Romains à propos du binôme loi, L-O-I, et péché. Je ne pourrais pas pécher si je ne connaissais pas la loi, et sans la loi, il n'y aurait pas la possibilité du péché. C'est un très beau texte, souvent commenté, qui montre que Paul a une autre envergure que d'autres rédacteurs des textes bibliques. Donc il y a cette valeur qu'au fond, la catégorie de la vérité est intrinsèquement liée au langage lui-même et que le mensonge n'hypothèque pas la vérité, mais au contraire la vérifie.
Alors, il faudra même un pas de plus. Vous trouvez la démonstration, notamment dans le séminaire de 64, lorsqu'il travaille sur un paradoxe à propos d'Épiménie de Lecrétois, que vous connaissez, qui a passionné toute l'Antiquité grecque. Épiménie de Lecrétois dit « Tous les Crétois sont des menteurs ». Et Lacan, ça paraissait un impossible à démonter, et Lacan démontre que si vous distinguez l'énonciation et l'énoncé, vous verrez que dans le mensonge, par le mensonge, peut se marquer, s'inscrire la vérité du sujet, à savoir « je veux te tromper ». Le mensonge a sa vérité, donc ne s'oppose pas à la vérité, mais il y a une vérité du mensonge, parce que le mensonge adressé, c'est un mensonge pour tromper l'autre, voire pour se tromper soi-même. Donc, quand un sujet ment ou quand un sujet se ment à lui-même, que ça soit volontairement, en toute connaissance de cause ou pas, on s'en fout, parce qu'on n'est pas dans un prétoire avec des personnes à juger, mais par rapport au discours analytique, peu importe l'intention ou la non-intention, la conscience ou l'inconscient à l'œuvre, dans tous les cas, il y a une vérité de son mensonge en ceci qu'il est adressé à l'autre. Et c'est le « je veux te tromper ». Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une petite remarque qu'il faudrait discuter avec les spécialistes des animaux, comme Stanislas Dehaene. Enfin, lui est plutôt spécialiste des cerveaux des animaux, qui légitime les comportements qu'ils auraient, comportements qui indiqueraient que le cortex frontal inclut le calcul mathématique sans langage linguistique, comme ils disent. Et il parle d'un comportement animal où il faudrait admettre l'existence de sujets. Bon, ça peut vous surprendre parce que il dit, mais comment dans le monde animal peut-il y avoir un sujet, puisque le sujet est l'effet du langage lui-même. Alors, il précise qu'il y a dans certains comportements des animaux une intersubjectivité à l'œuvre. Est-ce que c'est une intersubjectivité purement imaginaire? Ça peut se discuter, parce que le terme d'intersubjectivité imaginaire, voire de dialectique imaginaire, expression qui peut surprendre, vous la trouvez dans le séminaire 1. À la fin du séminaire 1, Lacan rend compte de l'homosexualité par une intersubjectivité imaginaire, qu'il définit comme une dégradation de l'intersubjectivité symbolique à sa variable purement imaginaire. Donc, c'est une imaginarisation, pour être plus juste, de l'intersubjectivité symbolique. Ça tient à l'idée que pour Lacan, nous sommes toujours pris dans le symbolique. Alors là, c'est plus difficile avec le comportement des animaux. Néanmoins, je vous donne l'exemple. Dans le guet, G-U-E-T, dans l'endroit où il se réfugie, dans le guet où il se cache, dans le piège construit, dans la feintise traînarde, où le fuyard dégagé d'une troupe déroute le rapace. Donc vous avez, si vous voulez avoir une représentation un peu documentaire, vous avez un rapace, un aigle, et puis vous avez des animaux, des lapins, etc., ou des lièvres qui courent dans le champ. Et puis vous avez un fuyard qui se dégage de la troupe, et ça produit un effet où le rapace ne sait plus qu'il doit suivre et comment il doit suivre soit la troupe, soit le fuyard dégagé d'une troupe. Donc il y a une façon de dérouter le rapace. Et vous remarquerez que le rapace, quand on regarde des documentaires
ça se fait ça avec ses enfants ou ses petits-enfants, que le rapace, vous disent les commentateurs de ces documentaires, ne gagne pas à tous les coups, même il ne gagne pas souvent. Alors certains, pour rassurer sûrement les enfants, disent le rapace n'y arrive que 30 à 40%. Il n'attrape pas sa proie à tous les coups. Alors on croit que le rapace gagne toujours. Pas du tout. C'est pas comme avec la mangouste et le serpent, où c'est toujours la même qui gagne. Donc, Lacan insiste au fond sur pourquoi le rapace ne réussit pas à tous les coups, alors que la puissance de l'un et la puissance de l'autre ne sont pas comparables. Et il dit, il se passe quelque chose là dans cette description qu'il donne, le fuyard qui quitte la troupe, imaginez, j'insiste, si c'est un rapace des lapins ou des lièvres, il dit qu'il y a là quelque chose de mis en œuvre par le fuyard qui est nouveau et que vous ne trouvez pas dans la parade ou dans le combat, qui là, en quelque sorte, serait purement un imaginaire frontal. Donc il montre qu'il y a une différence. Il y a donc, alors c'est difficile à dire, on ne peut pas le dire, mais néanmoins, ça serait l'idée que le fuyard essaye de tromper le rapace. Et on ne peut pas le dire, pourquoi ? Tout en remarquant que ce que fait le fuyard par rapport au rapace et à la troupe ne peut pas être réduit au jeu de la parade ou au jeu du combat. La parade qu'il a déjà analysée, celle du rouge-gorge, ou celle des pigeons et de la pigeonne, et que le congénère peut être remplacé par une image ou même par un miroir, et que ça produit des effets corporels, notamment de maturation des gonades, etc. Un peu plus que si le congénère est réellement présent. Peu importe, il a déjà démontré ça. Il dit, là, il y a quelque chose de plus. Mais il dit également, c'est qui, malgré tout, n'opère pas et qui fait qu'on ne peut pas dire la phrase que je vous ai dite, que le fuyard, s'il déroute le rapace, on ne peut pas dire qu'il veut le tromper. Parce que là, nous dit Lacan, il n'y a pas d'au-delà pour autant. Il n'y a pas le lieu de la vérité, c'est-à-dire le lieu du langage qui permet à la vérité de se construire. Et que le leurre, voilà le terme qu'il fallait employer, l'exemple du fuyard dégagé d'une troupe, c'est un leurre, mais qu'elle est au service du besoin, et non pas au service du désir. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'il disait précédemment, le désir de reconnaissance rencontre la reconnaissance du désir. Que c'est un leurre, qui est donc, en quelque sorte, un comportement plus élaboré que la simple parade amoureuse ou le combat rivalitaire, mais que ce leurre est au service du besoin et en aucun cas du désir, puisque s'il était au service du désir, il faudrait postuler un au-delà, ce qui n'est pas pensable dans le monde animal. Vous voyez que toutes ces thèses-là, pour les philosophes du langage ou les psychologues cognitivistes expérimentaux, ces thèses de Lacan, ces interprétations de Lacan du monde animal et du champ de l'éthologie sont complètement vaines, nulles. Du reste, il ne les cite jamais. Mais pour qu'il advienne cet au-delà, il faut que le langage soit. Et à nouveau, il réinsiste sur cette dimension où le langage permet de leurrer notre adversaire. Je peux leurrer mon adversaire, mais c'est différent du fuyard. On ne peut pas dire que le fuyard, par exemple le lapin ou le lièvre, est pour adversaire le rapace. Ça, c'est déjà trop dire. C'est déjà entrer dans une dialectique symbolique. Leurrer mon adversaire, par exemple, par un mouvement contraire à mon plan de bataille, ce que tous les stratèges militaires ont appris à faire.
Et cet effet trompeur, je le produis pour mon adversaire, c'est-à-dire je veux le tromper. Il y a l'affirmation d'un je assertif pris dans une dialectique avec l'autre, et mon désir de te tromper, je veux en quelque sorte que tu y adhères, que tu le reconnaisses, non point comme tromperie, mais comme effectivement ce que je suis en train de mettre en place et que tu ne sais pas que je suis en train de te tromper. Donc c'est une dialectique qui se complexifie dès qu'on la met en scène. Et il parlera qu'ensuite, si vous voulez introduire une négociation de paix, il vous faudra un tiers lieu, qui est le lieu de la convention signifiante. Mais l'exemple qu'il cite, que vous connaissez, qui est souvent cité, qui est l'exemple d'un juif qui s'adresse à un autre juif, c'est vraiment très intéressant, je vous le donne. Vous le connaissez par cœur, mais je vais juste apporter quelques précisions. Pourquoi me dis-tu, dans un quartier juif de Pologne, pourquoi me dis-tu que tu vas à Cracovie pour que je croie que tu vas à Lemberg, une autre ville, quand tu vas vraiment à Cracovie? Alors ça, c'est un exemple magnifique, puisque si vous prenez un binôme assez simple, vous distinguez l'exactitude, c'est-à-dire l'adéquation de l'énoncé de la chose désignée. Vous distinguez donc l'exactitude et la vérité, inséparables du désir, et donc du mensonge, et donc du désir de tromper. Vous voyez que la phrase, en quelque sorte, elle est basée à partir des énoncés exacts. Où vas-tu? Où vas-tu? Si on reconstruit un petit peu le dialogue, où vas-tu? Je vais à Cracovie. Voilà la réponse. Mais celui qui a posé la question et qui a eu la réponse Cracovie, qui est une réponse exacte, celui qui a répondu qu'il va à Cracovie, va réellement à Cracovie, va effectivement à Cracovie, va matériellement à Cracovie. Mais celui qui a posé la question « Où vas-tu ?» et qui a reçu la réponse « Je vais à Cracovie », c'est que probablement la réponse « Je vais à Cracovie » n'est pas telle que je vous la donne. Il y a une intonation, un geste, un détail, un raclement de la gorge, une série d'index, de marques qui viennent présentifier le sujet de l'énonciation. Et où celui qui reçoit la réponse à la question qu'il a posée entend que le style même à dire « je vais à Cracovie » a tout l'aspect d'un être un mensonge. D'où la phrase « pourquoi me dis-tu de rage ?»« Pourquoi me dis-tu que tu vas à Cracovie ?»« Pour que je croie que tu vas ailleurs, donc que tu as voulu me tromper. » »« Tu me dis Cracovie, alors qu'en fait tu vas à Lemberg. » Et tu ne veux pas me dire que tu vas à Lemberg en me faisant croire que tu vas à Cracovie, alors qu'en fait tu vas vraiment à Cracovie. Et donc, c'est une façon de tromper, on pourrait dire, ad abîme. On ne trompe pas en disant un mensonge, au sens de l'exactitude. On dit la chose même qui est faite et qui va être faite et réalisée. Donc on dit l'exactitude des faits. Le mot correspond à la chose désignée. Il y a une adéquation. Mais par la façon que tu as eue de me répondre, ou bien par ce que moi qui te pose la question, que je t'attribue, eh bien, je n'entends qu'une vérité, la mienne, alors que je te l'attribue. C'est que je n'entends que la vérité que tu veuilles me tromper. En me disant l'exactitude, alors même que tu veux me faire croire que c'est autre chose. Alors vous voyez que si vous prenez cet exemple, dont on n'a que la fin, dont je ne peux pas vous dire comment celui qui pose la question en arrive à cette conclusion, ni comment celui qui répond Cracovie en arrive à faire croire à l'autre qu'en lisant Cracovie, en fait il lui suggère Lemberg alors qu'il va vraiment à Cracovie. Je ne peux pas vous le dire puisqu'on n'a pas les énonciations, les corps vivants.
Mais vous pouvez cet exemple lui donner une valeur plus grande. Vous pouvez prendre des éléments de la clinique. Le mari jaloux demande à l'épouse qui rentre un peu tard « D'où viens-tu ?» Elle lui répond « Il ne faudrait pas faire attention, il ne faut pas employer un exemple sexiste. Je viens, avant je disais « je viens de faire des courses », mais maintenant je m'aperçois que c'est un exemple sexiste au fond. C'est un exemple de rapport entre des hommes et des femmes avec les formes les plus caricaturales qui soient possibles, le mari jaloux et la femme qui allait faire des courses. Donc je suis désolé de la bêtise de cet exemple qui tient sûrement à ma génération. Et donc, je viens de chez le garagiste. Et effectivement, le mari jaloux va entendre dans la réponse qui lui est donnée qu'elle est allée ailleurs. Mais l'astuce, c'est qu'elle est vraiment allée au garage et qu'elle peut déposer les clés, déposer la facture de la réparation, etc. Autrement dit que quand la question de la vérité advient, jamais l'exactitude ne peut en produire l'exhaustion. Vous pouvez dire toutes les phrases qui sont exactes, vous n'êtes pas dans le champ de la vérité. Et que la vérité, c'est autre chose, elle suppose en quelque sorte le lieu de la convention signifiante. Alors que l'exactitude ne suppose pas vraiment le lieu de la convention signifiante, puisqu'elle tend à réduire à l'exactitude le signifiant à son pouvoir purement dénotatif, c'est-à-dire ça réduit le signifiant à une étiquette. Et les exemples que je vous donne, c'est ça. Montrer le billet qui fait qu'on va à Cracovie, billet de train, montrer la facture du garagiste pour montrer qu'on vient de chez le garagiste. Mais la vérité ne peut pas se réduire à l'exactitude. Alors qu'il y a une tentative dans la philosophie, oui, je continue sur ma philosophie du langage et ses histoires, parce qu'il fallait bien que je construise quelque chose pour cette affaire, c'est qu'il y a des tentatives dans la philosophie de créer, par exemple, des langues où la vérité se réduirait à l'exactitude. C'est par exemple lorsqu'on essaye de réduire la grammaire à la logique et que vous pouvez transformer chaque mot isolé par la grammaire au fond à une position logique. C'est ce qu'on appelle les langues universelles. Je rappelais l'autre jour à Miller qu'il avait écrit ces textes-là quand il était très jeune, avant qu'il exerce la psychanalyse. Vous les trouvez dans un livre qui s'appelle « Un début dans la vie ». C'était paru chez Gallimard, le promeneur. Et effectivement, Miller rappelait à ce moment-là des tentatives au XVIIIe siècle, mais pas seulement, les siècles suivants aussi, de construire des langues universelles. Ça faisait partie de l'universalisation et de l'universalité de la Révolution française. Il fallait trouver une langue qui soit commune à tous et qui soit donc universelle et qui supprime la domination d'une langue sur une autre, par exemple. Eh bien, ces langues-là, on peut les écrire. Elles peuvent être construites, elles peuvent être élaborées, et on peut écrire un manuel de logique qui dirait comment on doit écrire ces langues. Simplement, ce que vous ne pouvez pas faire, c'est parler ces langues. Non pas parce qu'elles sont imparlables, non pas parce que les mots ne sont pas prononçables, mais qu'à partir du moment où vous les prononcez, elles ne peuvent plus être universelles. Elles se singularisent immédiatement parce qu'il y a le sujet de l'énonciation qui, en quelque sorte, va faire de l'exactitude une opération de vérité où son désir de reconnaissance va rencontrer chez l'autre grand A la reconnaissance du désir et autrement dit la dimension de la convention signifiante fait surgir la possibilité de la tromperie. Alors que dans les langues universelles, ce qui est trompeur doit se révéler comme faux au sens logique
la logique révélant comme telle l'erreur de grammaire. Autrement dit, les langues universelles prétendent en finir avec la vérité, le mensonge et la tromperie, donc avec la convention signifiante, alors même qu'elles se proposent de n'être que des inscriptions logiques. Oui, vous pouvez les écrire. Vous pouvez écrire y égale f de x. Vous pouvez même écrire y égale ax2 plus bx plus c. Vous pouvez l'écrire, vous pouvez résoudre ces équations du premier ou du deuxième degré. Mais là, si vous les parliez, ce qui n'a aucun sens, vous pouvez avec elles tromper, faire croire, vous pouvez quoi ? Séduire, vous pouvez vous faire détester, etc. Autrement dit, tout ce qui est absolument extérieur à ce que l'on appelle l'exactitude du calcul mathématique. Voilà à peu près où nous en sommes du texte. Et la prochaine fois, je terminerai l'article. Alors, ce qui est intéressant dans celui-ci, c'est que vous avez au fond des répétitions, ou plus exactement, il fait référence à ce qu'il a déjà dit pour amener de nouveaux exemples et de montrer en quoi son raisonnement permet de produire de nouveaux éléments. Mais ce que je vous ai dit aujourd'hui, en quelque sorte, il l'avait déjà dit, simplement là il va l'illustrer. Ce qui est nouveau, c'est l'intellectualisation et le critère du savoir chez le patient et pas chez celui qui sait, et d'autre part, l'idée de l'erreur de la traduction qui est souvent faite, y compris sous la forme la plus caricaturale possible, le « moi » doit déloger le « ça », phrase qu'on trouvait dans la version traduite de Freud par Anne Berman, la pharmacienne, vous savez, qui a été membre de la SPP et qui était la secrétaire zélée de la princesse Bonaparte. Deux éléments de sa correspondance sont parlés. Donc voilà ce qui était vraiment, vraiment nouveau, ainsi que l'exemple à propos du comportement animal qui demande un petit peu plus à être décortiqué, comme j'ai essayé de le faire. Mais pour être franc, le reste avait déjà été démontré. Donc c'est la démonstration ayant déjà été faite, Lacan la reprend pour en montrer l'efficience avec d'autres exemples, ce qui est, j'allais dire, un procès de démonstration didactique. Peut-être ça tient, j'insiste, au lieu L-I-E-U qui interprétait là où il intervenait, à savoir l'amphithéâtre de la Sorbonne, l'amphithéâtre Descartes, si ma mémoire est bonne, qui quand même est celui du philosophe français de la raison par excellence. Voilà où j'en suis à peu près aujourd'hui dans l'avancée. Voilà. Donc, la prochaine fois, on arrivera à la fin du texte, mais ça m'apparaît de plus en plus en vous le disant que c'est un texte qui est pris dans une logique d'exposition, comme Lacan dit quelquefois de Lacan, du rhéteur. Il donne des exemples, il explique, il est dans la dialectique. Le rhéteur, là, dans sa dimension enseignante, le rhéteur qui enseigne et qui veut convaincre. Donc c'est un texte vraiment qui, pour Lacan, devait avoir cette fonction de dire à un public nouveau, au-delà de ses étudiants, écoutez, maintenant ça suffit ce qu'on dit sur la psychanalyse d'aujourd'hui et que vous lisez sous les plumes de X et Y, notamment son ami Sacha Nacht, qui a une grande importance dans ce mouvement, qui était un organisateur, qui était un ami de Lacan, il a été témoin à son mariage au Toulonnais, etc., un deuxième mariage. Enfin, au-delà de l'anecdote, bon, c'est une façon de dire, écoutez, il y en a marre de ce que vous croyez être la psychanalyse, j'en produis une autre, j'en invente une autre, je la refonde, et donc je vais quand même vous expliquer le béaba.
Et il explique le béaba de la psychanalyse selon Jacques Lacan. Alors, c'est un béaba extrêmement compliqué, complexe, sophistiqué, mais il essaye ensuite de dire, écoutez, voilà à quoi ça sert, voilà les outils. Il nous donne des outils. C'est en cela que c'est un travail, là, presque d'enseignant, d'explication, au-delà de son champ. Il n'aurait pas parlé comme ça à ses élèves, c'est-à-dire dans le séminaire. Enfin, en 57. Dans le premier séminaire, oui. En deuxième, oui, mais pas en 57. Il ne fait jamais ça, de répéter ce qu'il a dit de la même façon. Alors, il nous dit en une phrase, dans un paragraphe beaucoup plus puissant et qui parle d'autre chose. Là, non. Là, il y a vraiment la thèse qu'il développe par le biais de la lettre et qu'il a aussi peut-être un effet du lieu où il s'adresse, des étudiants en lettres. Étudiants en lettres, non pas des étudiants en médecine, étudiants en lettres. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, pour voir la construction du texte et comment on peut le décortiquer et se débrouiller avec. Juste, je vous dirai quelque chose, vous étiez certains d'entre vous pas encore arrivés, je le disais à René Ragenbass, je lui disais que le fait d'avoir à vous parler de ce texte, ça m'oblige à le lire avec une attention que si je n'avais pas à faire ce travail pour vous, je n'aurais pas. Je lirais plus vite. Et je m'aperçois parfois quand je lis un petit peu plus vite, parce que parfois quand j'ai 400 pages à lire, je ne peux pas lire ligne à ligne. Enfin, je lis ligne à ligne, mais je lis assez vite. Quand on a des bouquins à lire et qu'on n'en a pas seulement un, mais deux, trois ou quatre, il faut être sportif, il faut aller un peu plus vite, bon, etc. Mais là, si je peux le faire, c'est parce que m'arrêtant sur certaines phrases, je m'aperçois qu'en les relisant, en les reprenant, en les réarticulant, elles ne veulent pas tout à fait dire ce que j'avais cru qu'elles disaient. Je ne fais pas de très gros contresens quand je lis vite, mais quand même, je fais des approximations. Donc j'ai une dette à votre endroit, c'est que vous parlant de ces phrases, je suis obligé de les retravailler quand il y a un sujet, un il par exemple. Quand on lit vite, on ne sait pas très bien que représente le il et on le reconstruit avec la fin de la phrase. Généralement, on se trompe pas si on a un peu l'habitude, mais parfois on se trompe. Alors que si je le lis pour vous, il faut que je regarde le il, ce qu'il a vraiment, le sujet qu'il représente dans ce qu'il précède. Parfois, je suis étonné. Donc, si vous voulez le lire, malgré toutes les erreurs sûrement que je peux faire, malgré toutes mes limites, mes incompétences, je suis d'accord. Je ne les mets pas particulièrement devant de la scène parce que je ne jouis pas de l'impuissance, mais enfin, ils sont là, comme pour tout le monde. Mais néanmoins, ce que je dis, c'est que le fait d'avoir vous en parler le mercredi soir, ça m'oblige à être moins approximatif avec certaines phrases. Et donc, le texte apparaît mieux dans sa rigueur, dans sa splendeur, dans sa brillance. Voilà, donc je voulais vous remercier d'être là. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. J'enverrai un petit mot à Pamela en lui disant que bien sûr elle m'a manqué, ça c'est évident, mais que je suis quand même arrivé à faire marcher les appareils. Et bon, bah écoutez, c'était le dieu de la technique. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir.